être vraiment intégré en tant qu'acteur réel de ces Jeux Olympiques, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une expérience à vivre pleinement. The Mistinguett is the largest electric ship in Paris and will be part of the opening parade for the Olympic Games on the Seine. Ça a été un challenge de faire cette transition énergétique. Pourquoi ? Parce que c'est un bateau qui pèse plus de 220 tonnes, qui fait plus de 41 mètres de long, qui accueille 250 passagers. Et à ce jour, ce type de bateau en full électrique, personne n'a osé leur faire leur transition énergétique. Première répétition pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il est vrai qu'on a été un petit peu le point d'interrogation de tous mes confrères armateurs, de voir un bateau de cette taille qui navigue avec une émission zéro carbone, donc pas de fumée d'échappement, pas de rejet CO2, pas de bruit. Principalement en B2B, donc travaillant avec beaucoup d'entreprises, avec des banques qui désirent être vertes, entre guillemets. Envie de mes clients, en termes d'image RSE, c'est très important. Et je pense que plus les années vont passer, plus aujourd'hui sera recherché les acteurs. Paris peut être le moteur de cette transition énergétique. Des bateaux de fleuve, il y en a sur toute la France. La France est un pays riche en canaux, en fleuves. Paris peut vraiment être le moteur. Les Jeux Olympiques de Paris peuvent être vraiment le coup de projecteur qui sera mis sur ce type de transition.